Au-delà des pistes, c'est une association qui a été créée en 2016 et qui est aujourd'hui le partenaire exclusif de France Gallo, donc l'association qui gère les courses françaises, qui organise les courses françaises. Au-delà des pistes, propose des solutions de reconversion pour tous les chevaux de galop qui arrivent à la fin de leur carrière de course. Tous les entraîneurs ou les propriétaires qui ont un cheval à réformer peuvent nous contacter. Et Au-delà des pistes a constitué un réseau de structures qui sont spécialisées dans la reconversion, qui sont soit des centres équestres, soit des écuries de propriétaires, mais qui ont vraiment une expérience dans la reconversion de chevaux de course. Et donc ces 25 structures qui sont situées dans toute la France vont pouvoir accueillir les chevaux qui nous sont confiés. On place à peu près 300 chevaux par an et ils vont être donc reconvertis dans ces structures. Elles vont d'abord les laisser décompresser et puis les mettre, leur inculquer les bases de l'équitation classique. Les structures vont regarder quelle discipline pourrait correspondre à chaque cheval. C'est vraiment un travail personnalisé. Et ils peuvent être convertis pour le dressage, pour le concours hippique, pour le concours complet, pour le polo, pour le horseball. Enfin, il y a vraiment tout type de reconversion. L'autre volet de notre activité, c'est de promouvoir cette polyvalence des chevaux de course qui est assez méconnue des cavaliers d'équitation classique. C'est l'objet de la journée d'aujourd'hui, donc qui est la journée de la reconversion sur l'hippodrome de Chantilly. On en organise sur d'autres hippodromes dans toute la France, de manière à mettre en valeur ces chevaux qui aujourd'hui sont reconvertis. Donc là aujourd'hui on a des démonstrations de dressage, de saut d'obstacle et puis une parade avec aussi des chevaux qui sont juste en retraite mais qui sont des champions, d'anciens vrais champions des hippodromes, donc que le public a plaisir à revoir. Et c'est l'occasion d'expliquer notre action, d'emmener le grand public à la rencontre aussi des cavaliers qui aujourd'hui ont reconverti ces chevaux, qui les montent, d'expliquer leur travail, d'expliquer tout ce que c'est que la reconversion. À quel point voilà, ça prend du temps, c'est de la patience, mais ça en vaut l'enjeu quand on voit vraiment ce que ces chevaux sont capables de faire pas si longtemps que ça finalement après avoir été reconvertis.